soit le prix, je serai là. Si tu as besoin de quelqu'un pour prier, si tu as besoin de quelqu'un pour jeûner, oui, quel que soit. La semaine de la surabondance. 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 Avec l'apôtre évangéliste. Avec l'apôtre évangéliste. Avec l'apôtre évangéliste. Georges. Olivier Bazavois. Olivier Bazavois. Du mercredi à dimanche. Tous les soirs, à 19h. Tous les soirs, pendant une heure de temps, avec l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazavois. Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai. Ceci est une convocation organisationnelle et spirituelle. Si tu es de Vers, tomber sur nous.
soit sur chacun d'entre vous maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu remplisse vos maisons, que Dieu remplisse vos appartements, vos chambres. Shokaba regaze daraba, Maria Manderigo, Mandele Kalakaitaka, Farigo Shibarababan Tereko. Que l'onction de Dieu maintenant, qui nous enseigne toutes choses, l'onction qui nous remplit, soit sur chacun de nous maintenant. Kotaba Rekoto Sakaba. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je vous demande maintenant de partager ces moments et de veiller à ce que le plus grand nombre de personnes, à savoir au niveau du siège même, donc de Libreville, de l'intérieur du pays, mais aussi tous les missionnaires qui sont à l'extérieur. Comme je l'avais dit, nous devions être aujourd'hui, mercredi, voilà, le 29 avril. Nous serons demain, jeudi, nous serons vendredi ensemble, samedi, et enfin nous aurons notre culte d'ensemble dimanche. Tous ces moments, nous serons à la même heure. Nous serons à 19h, heure du Gabon. Et donc, c'est le moment maintenant de convier, de rappeler, de partager, d'inviter, n'est-ce pas, plusieurs personnes à ces moments. Nous aurons une heure de temps ensemble. Une heure de temps ensemble dans la présence de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Je suis convaincu d'une chose. Ces moments vont aider énormément de personnes, mais encore, Dieu a quelque chose de prévu pour toutes ces soirées, du moins pour nous qui sommes ici en Afrique. Pour les autres, vous êtes peut-être en matinée ou bien vous êtes en début d'après-midi, peu importe, la grâce de Dieu est sur vous. Recevez maintenant le droit de comprendre ces moments au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez l'onction qui aborde votre audition, qui aborde votre esprit et vous permet de recevoir la pensée de Dieu cachée et enfouie. L'apôtre Paul dit que Dieu vous accorde la sagesse et l'intelligence afin de discerner sa volonté, de comprendre l'héritage qui est attaché à votre appel. Au nom de Jésus-Christ, recevez cette grâce. Amen. Alors, nous avons appelé cette semaine la semaine de la surabondance. Il n'est pas question, n'est-ce pas, ce n'est pas des moments pour recevoir une chose et puis c'est terminé. Non, il s'agit d'une semaine où Dieu nous parle, où nous sommes connectés à la présence effective de Dieu dans le but de préparer un événement, préparer un temps, préparer une circonstance, préparer une réalité qui ne saurait ne pas arriver. Elle va arriver. Il s'agit du déconfinement du monde. Voyez-vous, surpris notre monde, surpris par le coronavirus et rentrer. C'était le seul moyen. Le confinement faisait partie des seuls moyens d'essayer d'aborder quoi ? Aborder une pandémie dont ni les scientifiques, ni les gouvernants, ni les occidentaux ou les africains, peu importe le continent, ni ces grands hommes qui après être allés à l'école, les sociologues, même les décideurs, qui pensaient qu'ils pouvaient comprendre comment fonctionne le temps, le climat, le monde dans lequel ils vivent. Ils ont cru qu'ils pouvaient tout anticiper, mais le monde entier a été surpris par une pandémie sans précédent qui vient, mesdames et messieurs, de nous donner une leçon divine. Nous nous rendons compte que notre monde, aussi attrayant soit-il, peut donc s'arrêter en une minute, en une seconde. Les activités sur le plan académique, politique, les activités sociales, peu importe le secteur, pouvaient s'arrêter en une minute. Les hommes pouvaient donc se retrouver conditionnés à rester chez eux. Il ne s'agit pas de l'Afrique seulement, non pas du tiers-monde, même de ceux qui se sont proclamés grandes puissances mondiales.
Les chiffres sont incroyables. Alors, je m'en vais tout de suite vous donner pour aujourd'hui. Il s'agit des informations toutes fraîches. Pour aujourd'hui, on nous parle de plus de, s'il vous plaît, 215 000 morts dans le monde. 215 000 morts. Ça, c'est pour les statistiques d'aujourd'hui. Là, les chiffres sont encore en train d'augmenter. 215 000 morts. 215 000 morts. Alors, les gens sont partis comme ça brutalement. Des gens qui avaient des projets, qui avaient des ambitions. Il y a certainement dans ces chiffres des milliers de non-chrétiens. Des milliers de personnes qui ne croyaient pas en Dieu, qui s'en foutaient des choses. Et pour eux, l'église et les chrétiens, ça c'est des religieux. Ils se considéraient laïcs. Laïcs. Voilà. Des milliers de personnes, mesdames et messieurs, en quelques mois, viennent de perdre la vie. Et nous ne sommes qu'au commencement, si nous ne faisons pas attention. Voilà un événement qui est arrivé. Brutalement, on vient de le transporter. On nous parle, s'il vous plaît, suivez-moi, on nous parle de 3 062 557 personnes confirmées. 3 millions confirmées être atteintes du Covid-19. Alors ici, dans le cadre par exemple du Gabon, ce chiffre dépasse la population gabonaise. 3 millions. Ce qui signifie que si cette pandémie ne s'était attaquée qu'au Gabon, à l'heure où je vous parle, le Gabon serait complètement décimé. Regardez les scientifiques, les spécialistes, les médecins, les gouvernants et tout ce qu'on peut imaginer. Tout le monde complètement surpris. Je m'en vais. Rapidement, s'il vous plaît. Je voudrais attirer toute votre attention. Je m'en vais vous montrer un verset biblique. Parce que je ne voudrais pas être alarmiste, mais je voudrais être réaliste devant la pertinence de la vérité biblique. Vous avez besoin de m'écouter et de m'entendre. C'est pourquoi j'ai demandé une convocation de tous nos pasteurs, tous nos missionnaires, avec les membres de nos églises, peu importe le pays et la province, pour vous dire, l'heure est venue pour nous de préparer, n'est-ce pas, le relèvement du défi que Satan lance à ce monde. Satan, avec la permission de Dieu, puisque dans les livres de Job, nous voyons que Satan ne peut rien faire à ce monde sans la permission de Dieu. Un monde qui, paraît-il, était si fort, si grand. Un monde qui se vantait de tous les exploits possibles. Un monde qui se projetait déjà dans l'avenir. Voilà, ce monde est basculé du jour au lendemain. Alors je m'en vais lire avec vous, Luc chapitre 21. Alors je voulais pas être alarmiste, je voulais être réaliste en face des prophéties bibliques. Je voulais vraiment vous amener à comprendre une chose. Nous les chrétiens, nous avons besoin. Nous ne pouvons pas vivre cet événement, cette circonstance, ce temps, cette période comme les non-chrétiens. Non, c'est impossible. Mesdames et messieurs, il nous faut comprendre que tous les signes, les indicateurs sont en train de se réunir. Notre monde ne sera plus jamais le même. Il est en train de réunir tous les signes qui montrent que la fin approche. Alors c'est la raison pour laquelle je vous ai invité à partager ce moment avec nous. Nous allons préparer la fin du monde dans la surabondance des conversions. Oui, nous allons préparer. Écoutez, regardez avec moi. Luc chapitre 21, verset 11. Luc chapitre 21, verset 11, il est écrit. Il y aura de grands tremblements. Écoutez, je vais lire un texte. J'ai déjà partagé ce verset, n'est-ce pas, lors d'une communication. Je reviens afin d'attirer l'attention. Parce que même au sein des chrétiens, lorsqu'il n'y avait pas la pandémie qui terrorise le monde, c'est des milliers de personnes qui meurent aux États-Unis en 24 heures. Ce sont des milliers de personnes qui meurent en France, en Italie, en Espagne et dans le monde entier. Des milliers de personnes en 24 heures. Shabarekante sotarababa. Alors, on nous dit, Jésus a dit, il parle des signes de la fin. Les signes de la fin.
écoutez, mesdames, je veux que les chrétiens, parce que même parmi les chrétiens, nous avons connu et nous connaissons des chrétiens qui pensaient que ce monde est trop bien fondé pour disparaître. Et les chrétiens estimaient que les prédications, les enseignements de l'église étaient exagérés. Et que normalement, le monde... Mais écoutez, lisez avec moi, regardez, suivez. Il y aura de grands tremblements de terre. Jésus dit, avant la fin, il dit, il y aura des grands tremblements de terre. Et ensuite, En divers lieux. Des pestes. Et on, a médité ce passage déjà une fois, souvenez-vous. On a mis l'accent sur la peste. Ce fléau qui se dépasse, la destruction qui se déplace. Suivez. Il dit, en divers lieux. Ici au Gabon, nous avons une peste qui est arrivée. Un fléau, la pandémie. Vous les Blancs, vous les Français, les Américains, dans les îles, partout, cette chose se déplace. Je vous en supplie, elle ne détruit pas les plantes. Cette pandémie ne s'attaque pas aux animaux ni aux plantes. Elle détruit et s'attaque au système respiratoire humain. Non, vous devez... Écoutez, il y aura des pestes dans divers lieux. Suivez, allons-y, regardez. Et des famines. Attention, suivez, hein. Mesdames et messieurs, suivez. Au temps de la peste, on peut encore vous partager de la nourriture. Hein? Les gouvernants essaient de voir comment aider les familles démunies, etc. Plus de 3 millions de personnes ont perdu leur emploi aux États-Unis à l'issue de la pandémie. 3 millions de personnes ont perdu leur emploi. Je suivais ça hier encore dans les informations. 3 millions. Ça dit, dans le cas de mon pays, le Gabon, cela veut dire que plus aucun Gabonais ne travaille. C'est ce que ça veut dire. Parce que la population du Gabonaise avoisine, n'est-ce pas, les 1 800 000 à 2 millions d'habitants. 3 millions de personnes ont perdu leur emploi aux États-Unis. On nous parle de 3 millions et plus, n'est-ce pas, à l'heure où nous vous parlons, le 29 avril 2020, confirmé atteint du coronavirus. Ça encore, c'est par rapport aux chiffres. Parce qu'on sait qu'en Occident, les chiffres sont vrais. En ce qui concerne le Gabon et l'Afrique, on sait que tout ce qui se fait, on ne sait pas qui a inventé ça. Mais on est à peu près dans cette estimation de 3 millions de personnes dans le monde. Et plus de 215 000 morts. Pas en une année, pas en 6 mois. La pandémie n'a pas fait 6 mois. Il y aura des pestes dans divers lieux. Ensuite, suivez. 1. Tremblement de terre. Vous avez vous-même vu déjà les catastrophes naturelles que les tsunamis, les tremblements de terre ont produit dans ce monde. C'est le commencement. Mesdames et messieurs, c'est le commencement. Ensuite, les pestes en divers lieux. Maintenant, suivez. Ensuite, après ça, il va y avoir des famines. Donc là, les gouvernants ne pourront plus distribuer la nourriture. On n'est pas encore au temps des famines. On est au niveau du deuxième fléau. Oh, écoutez, parmi les fléaux que le monde va connaître avant la fin du monde, nous ne sommes qu'au deuxième. Il n'y a déjà plus d'emploi. Les gens ne vont plus au travail. L'école s'est arrêtée. Oh, mais nous... Attendez, les chrétiens, les pasteurs, vous qui pensiez que quand on demandait à des chrétiens de s'investir à fond, quand on demandait à des... Vous ne pourrez plus travailler au fur et à mesure que les fléaux vont arriver. Au fur et à mesure que les fléaux annoncés par la Bible, ceux qui faisaient la joie de vos yeux va s'arrêter. Diplômés pour rien, confinés à la maison. Là, on est seulement au deuxième fléau, hein. On n'est pas encore au troisième. Le troisième dans ce passage, ce sont quoi? Des famines. Donc, vous serez intellectuels sans pouvoir manger. Vous pourrez avoir tout ce que vous avez là. Vous n'aurez plus à manger. C'est annoncé. Dès que le coronavirus termine, je ne sais pas si c'est 2 ans encore, ou 6 ans encore, 10 ans, mais préparez-vous déjà à vivre le troisième fléau. Nous devons préparer la fin du monde. La surabondance consiste à ce que l'Église se situe, se positionne. Ce qui est en train d'arriver est annoncé par le livre de l'Église. Le livre, le fondement même de l'Église annonçait ces événements. Ce qui signifie que c'est le temps des chrétiens.
nous devons préparer la fin du monde. Mesdames et messieurs, les gouvernants sont paralysés. Ils font des discours vides. Ils sont même incapables de remplacer la... Ils sont incapables de remplacer la nature. Ils font des plans voulant entretenir les populations, nourrir. Ça échoue avec brio. Ils ne peuvent pas entretenir les populations. Ils ne peuvent ni les soigner, ni les entretenir. Nous ne sommes qu'au deuxième fléau. Le troisième arrive. Les famines partout. Donc, le verset 11 essaie de donner une idée des différents fléaux. Donc, après la famine, on aura quoi? Il y aura des phénomènes terribles. Mesdames et messieurs, après la famine, on aura des phénomènes terribles. Mesdames et messieurs, on a commencé à avoir des tremblements de terre. Après les tremblements de terre, les pestes, pandémie, Covid-19. Après, on va avoir famine. Et tous ces fléaux-là doivent tuer des gens. Hein? Des millions de gens doivent mourir à travers. Après la famine, les gens vont mourir en veste. Les politiciens-là vont mourir en veste. Mourir. Pourquoi? Mais parce que la fin de ce monde montre tous ces signes. Ce monde va terminer. Il est écrit dans des centaines de versets bibliques que ce monde va terminer. Après des famines, il y aura des phénomènes. Quand je relisais ce passage, je me suis dit, oh, nous ne sommes qu'au deuxième fléau. Il n'y a plus l'école. Il n'y a plus l'université. Mais les frères en Christ qui ne partaient pas à l'église, qui ne priaient pas parce qu'il est trop occupé à leur thèse. Les thèses sont arrêtées. Les directeurs de thèse sont morts. Mesdames et messieurs, votre directeur de thèse est mort. Vous n'avez plus de directeur de thèse. Ce monde est en train de marcher vers sa fin. Nous le sommes. J'ai été choqué de savoir que nous ne sommes qu'au deuxième. Seulement au deuxième. Nous n'avons même pas encore comment. Nous ne sommes qu'au deuxième. Après ça, il va y avoir des famines qui rentrent dans les maisons. La famine va frapper les pays, les nations. Les Occidentaux, excusez-moi, frères et sœurs qui êtes en Occident, mauvaise nouvelle. L'Occident se ravitaille en Afrique. Donc les derniers à mourir dans tous ces fléaux-là, c'est l'Afrique. Donc la Chine va commencer à mourir parce que c'est elle qui est la grande partie de la population mondiale. Après les États-Unis, etc. Donc vous allez mourir avant nous. Excusez-moi, on va prier pour vous. Mais nous, on va être les derniers parce qu'en vérité, l'Afrique. Le continent le plus jeune, mais aussi les grandes ressources du monde sont en Afrique. C'est pourquoi le Covid-19 est plus lent en Afrique que là-bas. Mauvaise nouvelle. Donc, vous les Africains qui êtes partout là, préparez-vous à rentrer. Yes. La fin du monde arrive. Vous qui n'avez plus le temps de Dieu, Dieu n'a plus votre temps. Nous devons quand j'ai annoncé la surabondance, les gens ont cru que oh, je vais prier pour eux pour qu'il y ait. Il y a deux femmes. Mon parent, tu n'as pas le temps d'avoir deux femmes. Même ta première femme risque de mourir. Si le Covid ne tue pas, c'est la famine qui va la tuer. Préparons la fin du monde. Mettons-nous dans un statut, dans une position de surabondance. Amener le maximum de personnes à Jésus. La fin du monde est là. Les païens, pour eux, ils disent que c'est seulement une pandémie. Ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Voyez-vous, lorsque les 10 plaies ont frappé l'Égypte, Pharaon pensait qu'il allait s'en sortir. Première plaie, il dit non, il va s'en sortir. Deuxième plaie, il dit non. À la fin, Pharaon a été exterminé. Suivez-moi. Les païens, le monde, pensent s'en sortir. Après le coronavirus, le troisième fléau va frapper le monde. Après le troisième fléau, des phénomènes terribles. C'est à partir de ce moment où vous saurez que votre petite activité qui prend la place de Dieu était une diversion satanique. Des phénomènes terribles, verset 11. Des phénomènes terribles. Et de grands signes dans le ciel. Et de grands signes dans le ciel. Donc il va y avoir des choses incroyables qui vont se passer. Mais je vous rappelle que nous ne sommes qu'au deuxième fléau seulement. Je suis
je suis abasourdi. Je me suis dit, mais comment un monde aussi puissant que ça, aussi grand, rien qu'avec le deuxième signe, est déjà à terre? Les frontières sont fermées. Vous ne pouvez plus voyager. Si votre femme était en voyage, elle est bloquée. Si votre enfant était en... Il est bloqué. Vous savez aujourd'hui comment on enterre les morts aujourd'hui? Dans certains pays, dans certains endroits, on a même vécu un événement ici au niveau du Gabon. La honte. La honte. C'est-à-dire, on est obligé de traiter les corps humains comme si c'était des animaux. Comme si c'était des animaux. La fin du monde va changer les habitudes. Ceux qui se sentaient riches vont se rendre compte qu'ils sont pauvres. J'ai suivi, je ne sais pas si c'est vrai, à travers les réseaux sociaux, un événement incroyable. En Italie, un milliardaire qui s'est jeté depuis le haut d'un immeuble parce que la pandémie avait pris sa famille. Il a vu sa famille mourir devant ses yeux à travers le coronavirus. Ne pouvant pas résister à cela, il s'est jeté depuis le haut d'un immeuble. Il s'est suicidé. Les fléaux qui vont frapper le monde ne seront pas que la fin du monde naturel, mais la fin de votre orgueil. La fin de vos fausses croyances. La fin de vos programmes humains insignifiants. L'heure est arrivée pour nous, mesdames et messieurs, de nous mettre du côté de Dieu. Aucun d'entre nous, chrétien soit-il, ne pourra empêcher la fin de ce monde. Ce monde a été orgueilleux depuis trop longtemps. L'heure du Créateur est arrivée. Dieu doit montrer aux blancs, aux noirs, aux juifs, aux musulmans et à tout le monde que ce monde lui appartient. Rien, ni nos prières, ni nos jeûnes, ne pourront empêcher la dégradation définitive de ce monde. Ce que nous pouvons seulement faire, c'est rentrer dans le statut de ceux qui sauvent abondamment les hommes. Nous ne pouvons pas empêcher ce monde de périr, nous pouvons empêcher les hommes de ce monde d'aller en enfer. C'est la raison pour laquelle pendant toute une semaine, mesdames et messieurs, je vais vous entretenir sur comment l'Église peut rentrer et accomplir, n'est-ce pas, sa mission ultime. Ultime. Alors laissez-moi vous édifier. Et après nous allons prier pendant quelques minutes et nous serons demain de nouveau ensemble. Aujourd'hui, ma responsabilité consiste à vous amener à comprendre que nous ne sommes qu'au deuxième fléau. Kaba shabari bari 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 banara sataraka. Vede go shabari ge seketeri bosh. On nous dit ceci. Suivez-moi, je vais vous édifier sur quelque chose, sur un élément. Alors, je voulais déjà attirer l'attention des chrétiens, des pasteurs, des missionnaires dans le monde. Pour vous dire que de même que les médecins, les spécialistes, du moins le monde sanitaire, sans oublier les gouvernants, les chercheurs, ils essayent de sauver les hommes dans le domaine sanitaire, c'est-à-dire trouver un remède, guérir les gens, gloire soit rendue à Dieu. Mais pendant que tout le monde joue son rôle, il y a un rôle qui n'est pas encore bien joué, celui de l'Église. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que même quand Madagascar, le président, a trouvé une tisane avec une herbe que nous connaissons très bien, pour essayer de stabiliser le système immunitaire, pour de se maintenir en face de la menace du Covid-19. Même quand les hommes auront trouvé, s'il vous plaît, le remède du deuxième fléau, cherchez déjà le remède au troisième fléau. Parce que vous devez savoir que les premiers mondes, ou encore le premier monde qui a été visité par les 10 plaies, ce n'est pas la deuxième plaie qui a détruit l'empire d'Égypte. C'est la 10e. Alors, je vous demande, alors pendant que vous êtes en train de chercher, et je demande aux gouvernants et leurs spécialistes les plus intelligents du monde, pendant que vous cherchez le remède au deuxième fléau, je vous en prie, messieurs les scientifiques, cherchez déjà le remède du troisième fléau, parce qu'après le deuxième, on nous a appris depuis le primaire qu'on commence à compter en disant 0, 1, après 2. Je vous apprends que ni les États-Unis, ni aucun pays
n'a déjà trouvé le remède aux catastrophes naturelles. Tremblement de terre, tsunami, on a seulement trouvé le nom de ces événements-là. On n'a pas trouvé le remède. Donc là, on cherche maintenant le remède du deuxième fléau. Anticipez, soyez intelligents, vous êtes allés à l'école. Vous êtes des diplômés, vous êtes des puissants hommes, mesdames et messieurs. Et vous, les chrétiens qui sont du côté des païens, là. Aidez les païens, s'il vous plaît. Aidez les païens, vous, les chrétiens qui ne comprenez pas que ce monde va terminer. Mettez-vous du côté des païens, faites des recherches, essayez de trouver le remède au deuxième fléau. Mais attention, anticipez déjà, car le troisième arrive. Si une pandémie nous empêche d'aller au travail, d'ouvrir son entreprise, sa société, je suis sûr que la famine, elle, va vous empêcher, même vous, médecins, d'aller au travail. Si une pandémie peut fermer les multinationales, empêcher les échanges entre pays, fermer les frontières, je suis sûr que le troisième fléau, sans oublier le quatrième, ensuite le cinquième, le sixième. Non, Église de Jésus-Christ, prépare-toi. Nous devons préparer la surabondance de conversion. Nous devons préparer, vous savez, entre chaque fléau, il va avoir un temps de répit. Donc Dieu est bon, hein? Nous bénissons le Seigneur. Entre un fléau et un autre, il va donner un petit temps de repos, de réflexion. Les païens vont courir dans les boîtes de nuit, les nuits, à inventer des nouveaux chants obscènes. Les païens vont courir. Mais pendant le temps de répit que nous, l'Église, nous aurons, nous devons rentrer dans la surabondance. Les chiffres nous montrent que Satan amène des milliers de païens. Quoi? En enfer. Des milliers, en grand nombre, en 24 heures, des millions de personnes perdent la vie. Lorsque Dieu nous donnera l'occasion, il nous l'accorde maintenant déjà. Lorsque nous aurons un temps de répit, s'il vous plaît, nous allons prêcher, évangéliser, comme jamais. Avant le troisième, vous savez quand le troisième fléau va frapper, vous avez remarqué que quand les fléaux la frappent, ça touche même les chrétiens. Oui, ça touche même les chrétiens, parce que nous devons aller à Jésus. Nous aussi, chacun a son moyen d'aller à Jésus. Nous devons rencontrer Jésus. Nous devons rencontrer Jésus. Nous aussi, on doit quitter la terre. On ne peut pas détruire la terre avec les chrétiens sur terre. Non, les chrétiens aussi doivent partir. Le troisième fléau va frapper le monde. Mais avant qu'il n'arrive, est-ce que celui qui dort se réveille? Oh Jésus, Jésus, que celui qui dort se réveille! Quel est le rôle de l'Église alors que les médecins essayent de combattre? Les gouvernants mettent des ripostes contre la pandémie. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, le rôle de l'Église n'est pas de distribuer. Hein? Comment ils ont appelé cela? Pour donner de la nourriture aux. Les kits alimentaires. Non, écoutez, Église de Jésus, laissez ça. Laissez ça au chef de quartier. Hein? Au maire. Laissez ça à ces personnes-là. Parce que nous, les pasteurs, nous, on n'est pas pour les kits alimentaires. Oh mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ. J'ai suivi une information qui disait que non, les pasteurs vont aider ou bien vont aussi être impliqués dans le. Mon parent, nous, vous, laissez les médecins se battre contre le virus. Les chercheurs cherchent les remèdes. Les gouvernants. Oh mon Dieu, Seigneur, prions pour les gouvernants. Et quand ils ont fait la politique, ils n'ont jamais prévu qu'ils devaient rencontrer une pandémie. Voyez-vous, faut pas attaquer tous les gouvernants. Hein. Dans le cursus, quand les gouvernants sont allés apprendre, beaucoup n'ont même pas appris la politique. Ils n'ont jamais fait la politique. Mais quand ils ont quand même appris un peu quelques réflexes politiques là, ils n'ont jamais su comment entretenir. Donc il ne faut pas attaquer, dire que non, les gouvernants, le président des États-Unis, la France. Oh mon Dieu, le président de la France, il est insulté de. Vous savez, les Français sont très impolis. Très impolis. Et Dieu.
Ouais, on vous traite en fonction du niveau de sauvagerie de votre population. De votre population. Les gouvernants n'ont jamais su qu'ils allaient être confrontés. Et c'est pourquoi nous demandons aux gouvernants d'être humbles. De ne pas mentir aux populations. Ne jouez pas les gros dos. Ne jouez pas les gros dos. Soyez humbles. Priez. Même si tu ne priais pas, prie. Convertis-toi pour que Dieu t'accorde la sagesse en ces temps de pandémie. Beaucoup de gouvernements vont se rendre compte des failles de leurs décisions à la fin de cette pandémie, après la mort des millions de personnes. Parce que ces gouvernants n'étaient pas entraînés, préparés. Ils n'étaient pas préparés. Même les pays qui ont anticipé les choses enregistrent toujours des morts. Nous, l'Église, nous ne sommes pas pour des kits alimentaires. Nous ne sommes pas là pour faire de la sensibilisation des gestes barrières. Il y a des gens pour ça. Il y a des ministères pour ça. Nous avons un rôle. Préparer les conversions en masse jamais vues. Nous sommes la voie et la porte de Dieu. Vous ne pourrez pas empêcher à ce monde de terminer et vous ne pourrez pas empêcher aux païens de mourir frappés par les fléaux qui vont exterminer ce monde. Vous pouvez par contre préparer l'entrée des milliers de personnes au paradis. Shabarekata satarababanderebosh. Voilà, et c'est pourquoi je m'en vais terminer. Je m'en vais terminer en lisant avec vous quelques versets et pour vous montrer que nous, les chrétiens, nous devons préparer ce qu'on appelle la dernière heure. Mesdames et messieurs, nous, l'Église, nous préparons la dernière heure. Je suis dans Jean chapitre 2, verset 18. Jean chapitre 2, verset. C'est ce que je suis venu partager avec vous ce soir. Préparer la dernière heure. Nous ne pouvons pas nous comporter comme les païens. Les païens se disent, on va trouver le remède, la pandémie va passer et le cours de la vie va reprendre. C'est faux, mesdames et messieurs. Oui, le cours de la vie va reprendre, mais le troisième fléau arrive. Kabashabara. 1 Jean chapitre 2, verset 18, il est écrit, 1 Jean, l'épître de 1 Jean, il y a plusieurs versets, nous n'allons pas lire pour aujourd'hui, nous avons plusieurs soirées. L'épître de 1 Jean, chapitre 2. Merci. Oui. Petits enfants, c'est la dernière heure. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris, qu'un antéchrist arrive, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Nous ne sommes pas là pour des kits alimentaires. C'est le rôle du gouvernement. C'est le rôle du gouvernement. Nous ne sommes pas des médecins, des spécialistes. Ça, c'est le rôle des médecins du domaine sanitaire. Quel est le rôle des croyants, des chrétiens? Le rôle des chrétiens, c'est de préparer les conversions en masse. Vous ne pourrez pas empêcher. Voyez-vous, il faut pas mal comprendre la prophétie et la prière. La prophétie et la prière ne peuvent pas interrompre la fin du monde. Non, parce qu'il y a des chrétiens qui prient, Seigneur, vraiment. Mais mon parent, après la pandémie, c'est le troisième fléau. Que tu pries pas. La prophétie de la fin du monde est au-dessus des prophéties que tu reçois dans ta chambre. Tu ne peux pas empêcher à ce monde de se détruire. Tu peux te mettre de mon côté avec moi. Préparer, aider les gens à rentrer, à accepter Christ, afin que s'ils meurent, ou par le premier fléau, ou par le deuxième, ou par le troisième, ou par le quatrième, même quand ils seraient morts physiquement, ils rentreraient dans l'éternité de Dieu. Ce monde va être détruit. Mesdames et messieurs, comprenez, vous devez comprendre, même nos prières ne peuvent pas arrêter la fin du monde. Shabarekete sukabarababa. Lisez, regardez. Par là, nous connaissons que... Par là, nous les chrétiens, nous connaissons que...
que c'est la dernière heure. Mesdames et messieurs, c'est la dernière heure. Nous sommes, faut pas suivre le temps. Oh non, quand ils vont trouver le remède, là maintenant, je vais maintenant faire ma deuxième société. Mon parent, tu n'auras même pas le temps de faire les papiers de la deuxième société. La troisième va arriver. Le troisième fléau va arriver. Tu n'auras pas le temps. De... Nous qui étions en train de construire, Seigneur, aide-nous. On voulait mettre la toiture. On pensait qu'on devait mettre la toiture. Mon parent, les fiancés. Il fallait vous marier depuis. Shabare katabata katakatato. Bon, entre les deux fléaux, il y a quand même un petit temps. Ça peut faire 15 ans ou 2 ans ou 6 mois. Shabaribosa, entre les deux fléaux, il y aura quand même peut-être 15 ans ou 2 ans ou bien 6 mois avant que les famines frappent le monde. La disparition totale de la possibilité de s'alimenter. C'est là où ceux qui étaient les grands là, les grands, vous n'aurez même plus le temps d'être raciste. Vous serez maigre. Vous allez mourir. Hein? Parce que vous n'aurez plus. Ça, vous allez voir la méchanceté des gens, hein, quand ils vont se rendre compte que leurs sols vont sécher et que les pays ne pourront plus rien produire. Les gens viendront tuer les autres, faire la guerre pour avoir la nourriture. Chabareket, vous n'avez pas entendu, les blancs veulent maintenant tester le vaccin sur les noirs. Vous n'avez pas entendu ça? La méchanceté de l'eau, c'est-à-dire, quand les fléaux vont frapper le monde là, les gens qui étaient vos amis là, les blancs vont venir arracher. C'est pourquoi on dit aux Gabonais, aux Africains, préparez aussi vos armes. Parce que quand les Blancs vont venir là, ils vont vous faire la guerre pour prendre de l'eau, pour la nourriture. Parce que les famines vont frapper le monde. Troisième fléau. Vous allez voir comment ça va se passer. Shaba, Reketese, Ribacha. Ils vont vous menacer. Hein? Tous les ambassadeurs vont quitter les pays. Ils vont vous menacer que envoyez-nous la nourriture si vous ne voulez pas vous faire la guerre. C'est ça qui va se passer. Hein? La Bible dit, une nation s'élevera contre une autre. Hein? Jabare kata satatiko shebare babababa. Rebe, nous savons que c'est la dernière heure. Alors quand vous vivez votre dernière heure, mesdames et messieurs, quand vous savez que c'est la dernière heure, vous établissez l'ordre de priorité. Quand vous savez que ce monde vit sa dernière heure, vous devez savoir que chez Dieu, un jour c'est 1000 ans, 1000 ans c'est un jour. Donc quand Dieu dit c'est la dernière heure, ça peut être 3 ans, ça peut être 6 mois, ça peut être 10 ans. Chez Dieu, ce n'est qu'une heure. Nous allons vivre, agir. Dès que le Seigneur permet ça, pendant quelque temps que le confinement se retire, mesdames et messieurs, chers pasteurs, nous allons vivre la foi comme s'il nous reste une heure. Chap, belle tira. Italia, je suis venu annoncer à tous les missionnaires, tous les collaborateurs, tous les délégués, que nous allons fonctionner comme s'il nous reste une heure. Car il est écrit, nous savons que c'est la dernière heure. Vous les missionnaires du Canada, en France, je ne sais pas où, peu importe. Vous devez savoir que je vous ai convoqué pour vous dire, le moment est arrivé de se comporter comme s'il vous reste, parce qu'il vous reste une heure. La Bible dit, nous savons, nous les fils de Dieu, nous savons que la dernière heure est arrivée. Nous savons que la dernière heure, il y a des gens qui se disent qu'ils vont reprendre leurs activités. Vous devez savoir qu'en ce moment, les pays ne savent plus quoi faire. Entre le confinement et l'économie. L'économie du monde entier est en train de tomber. Les gens sont obligés de retourner au travail alors qu'on n'a même pas trouvé. Les Français renvoient les enfants à l'école. Les crèches s'ouvrent. Sans remède. Hein? Sans remède. Ça veut dire, si ça te prend, ça te prend. Ça ne te prend pas, tu as la grâce. Nous ne sommes même pas encore au troisième fléau. Oh Dieu, Seigneur de l'univers, nous savons, nous, que c'est la dernière heure. L'heure de prier, en sachant que c'est la dernière heure, est arrivée.
l'heure de prêcher et d'évangéliser en sachant que nous sommes à la dernière heure est arrivée. L'heure de s'investir pour Dieu en sachant que nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure est arrivée. L'heure des futilités est arrivée. L'heure d'arrêter les futilités est arrivée. Nous sommes à la dernière heure. L'heure de suivre deux lièvres à la fois. L'heure de s'arrêter, d'arrêter de suivre deux lièvres à la fois est arrivée. L'heure de se convertir. Car il est écrit, nous savons que nous sommes arrivés à la dernière heure. Chers missionnaires, chers responsables de zone, chers pasteurs, chers leaders, chers délégués, nous sommes arrivés à la dernière heure de ce monde. C'est le moment de s'investir pour Dieu comme vous ne vous êtes jamais investi. C'est le moment d'orienter toute votre énergie, énergie intellectuelle, énergie physique, énergie financière, énergie spirituelle, énergie familiale. L'heure d'investir toute votre énergie pour que le monde entier connaisse le Christ. Je vous invite à la prière. Je vous invite à la prière. Mesdames et messieurs, peu importe le pays où vous êtes, je vous invite à la prière. Je vous invite à réaliser que nous sommes arrivés à la dernière heure. La Bible dit la dernière heure. Peu importe les plans et les programmes de ce monde va être cassé, brisé. Ce monde va être détruit. Oh, ce n'est pas étonnant qu'une pandémie vienne renverser tous les programmes. Tous les programmes sont renversés par une simple pandémie. Jésus a dit, les pestes vont se répandre dans le monde. Nous sommes seulement au deuxième fléau. Kaba, Dego, Raka, Shaba, Keteri, Baba. Soukabaretele, Soukabaretele, Kaba, Riboche. Nous sommes arrivés à la dernière heure. Les fléaux vont s'enchaîner. Maintenant, les fléaux vont s'enchaîner sous terre. Ce monde va être exterminé avec ses intellectuels, avec ses diplômés, avec ses spécialistes. Ce monde va être exterminé. L'heure de la surabondance est arrivée. Prêchez l'évangile comme nous n'avons jamais prêché. Demandez à nos parents, nos amis, nos connaissances, nos voisins d'accepter Jésus. C'est le moment de répandre l'évangile en surabondance. C'est le moment de répandre l'évangile en surabondance. Que vous soyez pasteur, prêtre, bishop, monseigneur, vous ne pourrez pas empêcher à ce monde de se détruire. Vous pouvez prêcher l'évangile pour que des milliers de personnes rentrent au paradis. L'heure est arrivée de vous réveiller. Que vous soyez diplomate, que vous soyez chef d'entreprise, vous devez porter maintenant le manteau de serviteur de Dieu. Tabaretons. Priez maintenant. Shabaretatata. Que Dieu vous aide à réaliser avec moi que nous sommes à la dernière heure. Mesdames et messieurs, nous sommes à la dernière heure. Shabareté. Les anges. Priez maintenant que Dieu vous ouvre les yeux et qu'il vous amène à comprendre qu'aucune de vos prières ne pourra empêcher cette dégradation définitive de ce monde. Que Chabaribe, c'est Kamari et Télécatato. Mesdames et messieurs, vous ne pourrez pas. La prophétie de la fin du monde est au-dessus des prophètes. La prophétie de la fin du monde est au-dessus des visions et des rêves que vous recevez. Ce monde va se détruire. Le programme de dégradation a commencé. Nous sommes à la phase 2 de la destruction de ce monde. Chabaribe, Télécatato. Les produits de la Seigneur.
Esprit de Jésus, ouvre les yeux des chrétiens, de l'église dans le monde, afin que nous prêchions l'évangile, que nous prions avec surabondance, que nous prêchions l'évangile avec surabondance, que nous intercédions avec surabondance, comme personne l'a fait, comme aucune génération ne l'a fait. Donne-nous de prier avec surabondance, d'être sérieux dans la surabondance. De connaître les temps de rapprochement avec toi. Je t'en prie, Seigneur. Kabareba, Shabareba, Iberiba, Kabareba, Dereko, Sadarata, Pandereko, 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 Pandereko. Alléluia. Alléluia. Et oui, je serai avec vous jusqu'à dimanche. Pendant une heure de temps. Mon objectif est de vous amener à comprendre que l'heure de la surabondance de la prière a commencé. Nous sommes à la dernière heure. D'après les prophéties bibliques, lorsque les signes de la fin vont être manifestes, alors le compte à rebours aura commencé. Nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la deuxième phase des fléaux de destruction. Nous sommes à la dernière heure, c'est-à-dire l'heure de la fin, de la dégradation définitive de ce monde. Ni vos prophéties, ni vos rêves, ni vos visions, ni vos statuts de pasteur, de prophète ou de quoi que ce soit ne pourra empêcher la destruction de ce monde. Le compte à rebours a commencé. Mesdames et messieurs, je vous invite à être avec moi demain pour une heure de surabondance. Je vais vous amener à comprendre que nous devons être engagés du côté de Dieu. Nous devons prier avec surabondance, prêcher avec surabondance, adorer avec surabondance, sensibiliser avec surabondance pour le faire de toutes nos forces comme nous ne l'avons jamais fait autrefois. Bientôt, le troisième fléau viendra. Laissons le monde, laissons les scientifiques chercher le remède du deuxième fléau avant l'arrivée du troisième. Que Dieu vous bénisse, que ces moments vous remplissent de la sagesse et que Dieu touche votre cœur pour que la soif de la surabondance, de prier avec surabondance, de méditer avec surabondance, de chercher la puissance de Dieu dans la surabondance, mais encore d'annoncer l'évangile avec surabondance vous soit accordé. Peu importe le continent, le pays, la province, la ville dans laquelle vous vous trouvez, recevez l'onction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. David, 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 il a tout ce qu'il te faut. Oh, oh, oh. Oh, oh. La semaine de la surabondance. 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 Avec l'apôtre évangéliste. Avec l'apôtre évangéliste. Avec l'apôtre évangéliste. Georges. De Georges. Georges. Olivier Bazavois. Olivier Bazavois. Olivier Bazavois. 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 Du mercredi à dimanche. Du mercredi à dimanche. À dimanche. Tous les soirs. 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 Dès 19h. Dès 19h. Tous les soirs, pendant une heure de temps, avec l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazavois. Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai. Ceci est une convocation organisationnelle et spirituelle. Si tu es de VLR, connecte-toi. 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 Alors je t'invite, 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 t'invite. Il a tout ce qu'il te faut. Alors je t'invite, 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 t'invite. À rechercher le royaume des cieux. Alors je t'invite, 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 t'invite. Il a tout ce qu'il te faut. Oh 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 oh. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazavois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons,
dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'Évangile de se répandre par votre participation financière. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Mbazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'Évangile de se répandre par votre participation financière. Espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Mbazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'Évangile de se répandre par votre participation financière.